Tafsir surat al-Ma'un. Exégèse de la sourate Les Ustensiles qui est mécoise. Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Ara'ayta alladhi yukadhdhibu bid-din. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. C'est bien lui qui repousse l'orphelin. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ Et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ Malheur donc à ceux qui prient. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Tout en négligeant et retardant leur salat. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Allah le Très-Haut dit en reprochant à celui qui délaisse ses droits et ceux de ses serviteurs. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution, c'est-à-dire la résurrection et la récompense. Il traite de mensonge ce que les messagers ont rapporté à ce sujet. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمِ C'est bien celui qui repousse l'orphelin. C'est-à-dire qu'il le traite avec dureté et ne lui exprime aucune compassion en raison de la dureté de son cœur et parce qu'il n'aspire à aucune rétribution et ne craint aucun châtiment. وَلَا يَحُضُّ Et qui n'encourage point les autres عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ À nourrir le pauvre. Et lui-même refuse de le nourrir à plus forte raison. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ Malheur donc à ceux qui prient, c'est-à-dire qu'ils pratiquent la prière, mais الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Tout en négligeant et retardant leur salat. C'est-à-dire qu'ils la négligent, ne respectant pas ses horaires, de même que ses règles et obligations. Ceci en raison de leur même manque d'intérêt pour les ordres d'Allah, dans la mesure où ils ont délaissé la prière, qui est le plus important acte d'adoration et le plus grand moyen de se rapprocher d'Allah. En effet, le délaissement de la prière est de nature à valoir à son auteur blâme et reproche. En revanche, la distraction dans la prière est une chose qui arrive à tous les fidèles, y compris au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui. C'est pour cela que le Très-Haut, Allah, a décrit cela comme pratiquant l'ostentation, ayant le cœur dur et manquant de miséricorde, en disant « Alladhina hum yura'oun » qui sont pleins d'ostentation, c'est-à-dire qu'ils œuvrent seulement pour gagner l'admiration des gens. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. C'est-à-dire qu'ils refusent de donner le minimum des choses qu'on peut prêter ou en faire donner sans aucun préjudice. À l'image de l'ustensile, du seau, de la pioche et autres choses que l'on peut donner ou que l'on prête par habitude. Or ces gens-là, en raison de leur intense avidité, refusent de donner ces choses simples, à plus forte raison, ce qui est plus important encore. Cette sourate incite à honorer l'orphelin et les pauvres, de même qu'à prendre soin de la prière et à la préserver en y faisant preuve de sincérité et de dévouement, ainsi que dans toutes les autres œuvres. En outre, elle incite à s'entraider selon le bon usage dans les choses simples, comme le don ou le prêt des ustensiles, des seaux, des livres et autres choses. Car Allah a blâmé celui qui ne fait pas cela. Or, c'est Allah qui sait ce qui est juste. Louange au Seigneur des univers.